discours, vous avez rappelé. Alléluia. 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 On doit être capable de dire Alléluia toute la nuit. Qui est-ce qui ne parle pas français là? Levez la main. Tu n'as pas la française, hasta la mano. Ok. Donc je suis Alan Rich. Ce nom est Alan Rich. Vous entendez le micro? Ok. Je suis évangéliste. Ce nom est évangéliste. Et je vais dans le monde entier. Et va de la partout dans le monde. Prêcher l'évangile. Et prédicare l'évangile. Et j'impose les mains aux malades et ils sont guéris. Et pose les mains à les malades et sont guéris. Et je chasse les démons et ils partent. Et quand tu viens, les démons ils vont vivre. Amen. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Et Jésus qui l'a dit. Toi, tu n'as pas besoin d'être serviteur de Dieu. Et tu n'as besoin d'être serviteur de Dieu. Il a dit tous ceux qui croiront. Amen. Est-ce qu'il a dit tous ceux qui seront pasteurs? Est-ce qu'il est dit tous ceux qui auront une immense onction? Non, tous ceux qui croiront. Amen. Vous prêcherez l'évangile. Est-ce que tu prêches l'évangile? Vous imposerez les mains aux malades. Est-ce que tu imposes les mains aux malades? Et tu chasseras les démons. Est-ce que tu chasses les démons? Moi, je suis qu'un serviteur de Dieu. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a sauvé. Si Jésus-Christ n'était pas mort il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, ce soir, vous auriez un autre homme de Dieu ici. Parce que moi, je ne serais pas là. Parce que l'Esprit de Dieu m'avait montré avant que je sois chrétien que ma destinée adamique était de mourir en mars 1978. Et si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix pour moi, si il ne m'avait pas attiré à lui, il ne m'avait pas sauvé, je ne serais pas ici ce soir. Je ne serais même pas au fond d'une tombe. Parce qu'au bout de 30 ans, il n'y a même plus d'os, il n'y a plus de chair, il n'y a que de la... On pourrait même plus me retrouver. Mais si je suis ici en vie, c'est grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es ici ce soir, c'est grâce à Jésus-Christ. Où serais-tu ce soir si Jésus-Christ ne serait pas venu te chercher? Si Jésus ne fosse venu te apprendre. Réfléchis, imagine. Peut-être tu serais mort. Peut-être tu serais en train de te droguer, en train de boire. D'abord, et drogarti. Ne te dis pas, moi je serai heureux, j'aurai réussi ma vie. Non, dites que je serai felice, après réussir la mia vita. Amen. Il faut que tu te rendes compte de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour toi. Le prix qu'il a payé. Si tu entends quelqu'un, c'est tout à ce que quelqu'un. Il te dit, moi j'ai payé la dette à un ami. Tu dis, ah c'est bien, c'est, tu es sympathique. Mais si tu apprends que la dette est de 10 euros, tu dis, c'est pas grand chose. Mais si il te dit, non, c'était 1 million d'euros. Tu diras, wow. C'est incroyable. Amen. Et le prix que Jésus-Christ a payé pour toi,
C'est la mort. La mort. C'est que son sang a coulé pour ton sang. Est-ce que tu as compris que ton sang aurait dû être versé? Est-ce que tu as compris que si tu n'es pas sauvé et que tu meurs ce soir, tu passeras ton éternité en enfer? Si tu n'es pas sauvé, il faut te dépêcher. Parce que ce soir, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour unique. Parce que ce jour-ci n'a jamais eu lieu. Amen. Et il n'aura jamais lieu encore. Demain sera un nouveau jour. Et toi, tu te dis, bah, de toute façon, je serai là demain. Je serai là après-demain. Je serai là encore la semaine prochaine. J'ai 20 ans, donc je serai encore là dans 50 ans. Non, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien, tu peux mourir dans la seconde. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sauvé? À quoi ça sert d'être délivré si tu n'es pas sauvé? Tu vas pas avoir de chaîne en enfer, à quoi ça te sert? Il faut commencer par le commencement. Jésus d'abord, il est venu pour sauver ton âme. Amen. Et parce que tu acceptes d'être sauvé, alors tu peux être délivré complètement. Tu peux être délivré dans ton esprit. Tu peux être délivré dans ton âme. Et tu peux être délivré dans ton corps. Tu peux être guéri dans ton esprit. Tu peux être guéri dans ton âme. Et tu peux être guéri dans ton corps. Car celui que Jésus-Christ guérit est réellement libre. Est complètement libre. Amen. Si tu as fait alliance avec le sang de Jésus-Christ, tu as droit d'être guéri. Tu as droit d'être sauvé. Tu as le droit d'être délivré. Tu n'as pas besoin de mendier. C'est un droit que tu as. Amen. Maintenant, il y a des conditions dans tous les contrats. Mais je suis sûr que tu connais la parole de Dieu. Des fois, le problème peut venir que nous avons un manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais le problème peut aussi venir que tu as de la connaissance. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Si tu as de la connaissance et que tu ne la mets pas en pratique, tu es au même niveau que celui qui n'a pas de connaissance. Je dirais même que tu es pire parce que tu as une responsabilité. Amen. Vaut mieux ne pas savoir que savoir et ne pas mettre en pratique. Amen. Tu n'as pas à rester dans les chaînes. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Sans condition. Amen. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, si le sang de Jésus a coulé, c'est pour te sauver. C'est pour te délivrer. Et c'est pour te guérir. Amen. Es-tu sauvé? Sei salvato? Il n'y a que toi qui le sais. Solo te che sai. Es-tu délivré? Sei liberato? C'est toi qui le sais. Solo tu che lo sai. Es-tu guéri? Sei guarito? C'est toi qui le sais. Solo tu che lo sai. Mais tu peux être sauvé. Ma puoi essere salvato.
Tu peux être délivré. Puoi essere liberato. Tu peux être guéri. Puoi essere guarito. Mais c'est dans les conditions de Dieu. Però sono le condizioni di Dio. Ce n'est pas tes conditions. Solo nelle tue condizioni. Dieu te demande d'être obéissant. Dio ti chiede di essere obbediente. Obéissant à sa parole. Obbediente alla sua parola. Obéissant aux directives de son esprit. Obbediente alle vie del suo spirito. Si tu es obéissant, si tu sei obbediente, Jésus te délivre. Jésus te libère. Amen. Mais si tu veux être désobéissant, tu peux acquérir autant de connaissances que tu veux. Tu peux demander à tous les pasteurs de la terre de prier pour toi. Tu ne seras jamais délivré. Non sarai mai liberato. Ton plus grand ennemi, il tuo grande nemico, c'est pas Satan. Non è Satana. C'est ton cœur. È il tuo cuore. C'est ta chair. È la tua carne. Le cœur est tortueux par-dessus tout. E il cuore è tortueux dappertutto. D'où vient la magie? Da dove viene la magia? Du diable? Dal diavolo? Non, de la chair. No, è della carne. Galates 5. Galates 5:19, penso. Oui, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'orgueil. C'est l'idolâtrie. C'est la magie. La magia. Amen. Après, les démons viennent. Et, dopo, i demoni, et te poussent. Et ti spingono à pécher. A peccare. Mais le péché est déjà en toi. Il peccato è già dentro di te. Et si toi tu veux marcher par la chair, si vuoi camminare nella carne, mais profiter de la vie de l'esprit, e profitare la vita dello spirito, tu ne peux pas. E non ce la fai. Amen. Il faut obéir. Devi obbedire. Marche par l'esprit. Camminare con lo spirito. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Non adempirai i desideri della carne. Amen. Car les désirs de l'esprit, de la chair, sont opposés aux désirs de l'esprit. I desideri della carne sono opposti a quelli dello spirito. Et la chair ne peut pas plaire à Dieu. E la carne non può piacere a Dio. Amen. Elle est inimitié contre Dieu. Inimitia contro Dio. Amen. Par ma chair, je ne peux pas plaire à Dieu. Con la mia carne non posso piacere a Dio. Par ta chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. La tua carne non può piacere a Dio. Tu ne peux pas remplir les standards que Dieu te demande. Non puoi riempire le cose che Dio ti chiede. Les standards de Dieu sont trop difficiles pour ta chair. Le cose di Dio sono troppo difficili per la carne. Tu essayes avec ta chair et tu te fatigues, tu te fatigues. Tu proverai con la carne, però non ce la farai. Et tu n'y arrives pas. E non ci arriverai. Et tu te décourages. Et sarai scoraggiato. Parce que tu te dis c'est impossible. Perché dici che non è possibile. Et tu as raison, c'est impossible. E hai ragione, non è possibile. Par la chair. E con la carne. Il faut marcher par l'esprit. Devi camminare con lo spirito. Et il faut renoncer à la chair. Devi rinunciare alla carne. Pour marcher par l'esprit. E camminare con lo spirito. Amen. Et laisser l'esprit de Dieu agir en toi. E così lo spirito di Dio agisce in te. Et l'esprit de Dieu. E lo spirito di Dio. C'est la vie. È la vita. Amen. L'esprit de Dieu. Lo spirito di Dio. C'est la puissance. È la potenza. Hein, il est dit, Jésus a dit dans Actes 1:8. Gesù disse Atto 1:8. Non, ça va aussi. Je transpire pas moi. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Jésus a dit, oui, je vais de la potence. L'Esprit de Dieu. Lo spirito di Dio. Amen. Viendra sur vous. Et scenderà su di voi. Alléluia. Amen. La puissance en grec, c'est la dynamis. Et la potenza in greca è la dynamita. C'est le mot dynamis et du mot dynamis est devenu la dynamita. Et la parola dynamica è diventata la dynamita. Amen. La puissance de Dieu. La potenza di Dio. C'est l'esprit de Dieu. È lo spirito di Dio. Amen. Et toi tu as besoin de l'esprit de Dieu. Hai bisogno dello spirito di Dio. De la puissance de l'esprit de Dieu. La potenza dello spirito di Dio. Tu n'as pas besoin de ma puissance. Non hai bisogno della mia potenza. Tu n'as pas besoin de mon onction. Non hai bisogno della mia unzione. Tu as besoin de la puissance de l'esprit de Dieu. Hai bisogno della potenza dello spirito. Tu as besoin de l'onction de l'esprit de Dieu. Hai bisogno di l'unzione dello spirito di Dio. Amen. Amen.
Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Amen. Moi, j'ai reçu ma part. Amen. J'ai ma puissance, j'ai mon onction. Mais toi, tu dois recevoir la tienne. Ne viens pas profiter de la mienne. Tu auras des miettes. Si les miettes, ça te suffit, ok, je te donne des miettes. Mais pourquoi pas prendre directement à la source? Amen. C'est à Dieu que tu dois venir. C'est pas à l'homme. Ce n'est pas la main d'un homme que tu as besoin sur toi. C'est la main de Dieu que tu as besoin. Amen. Tant que tu rechercheras ta solution dans un homme, tu ne la trouveras pas. Parce que la solution n'est pas dans un homme. Amen. La solution est en Jésus-Christ. La solution est en Jésus. Amen. Et toi, tu peux avoir accès directement au trône de Dieu. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de sacrificateur. Comme dans l'Ancien Testament. Toi, tu peux rentrer directement dans la présence de Dieu. Si tu confesses tes péchés, tu t'en détournes. Tu demandes pardon. Donc ça, c'est la repentance. Tu es justifié. Et tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Recouvert du sang de Jésus-Christ. Et c'est dans cette présence de Dieu qu'il y a la guérison, qu'il y a la délivrance, qu'il y a le salut. Amen. Ce n'est pas dans la présence d'un homme. Ce n'est pas dans la présence d'une église. C'est dans la présence de Dieu. Tu dois être en ordre avec Dieu. Pas être en ordre avec des hommes. Et toi, dans ton cœur, tu sais si tu pèches ou pas. Tu peux cacher aux hommes. Tu peux mentir. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Et tu ne peux pas mentir à Dieu. Amen. Dieu veut te sauver. Dieu veut te délivrer. Et Dieu veut te guérir. Ne te dis pas que Dieu hésite à te sauver, à te guérir. Ou est fatigué. À d'autres personnes plus intéressantes à s'occuper. Ou qu'il a moins de force. Ou que il se dit, toi, tu dois encore un peu souffrir un peu encore avant que je vienne. Non. Dieu veut. Amen. Et Dieu peut. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas? Qui a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Oui, il y a quelque chose. C'est quelque chose, hein? Qui peut freiner la puissance de Dieu. Et qui peut bloquer la potence de Dieu. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me dis? Y a-t-il quelque chose de plus puissant que la puissance de Dieu? Oui, ton incrédulité. La tua incredulità. Parce qu'il est dit que même Jésus-Christ, il y a des endroits où il n'a pas pu faire de miracles à cause de leur incrédulité. C'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? Donc il y a des choses que Jésus peut faire. Jésus, quand il n'a pas fait ses miracles, ce n'est pas qu'il n'avait pas la volonté.
ou la puissance. Jésus, il ne s'est pas dit, oh, ça fait déjà 2 ans que je travaille jour et nuit, j'en ai marre. Je vais me reposer 2 jours. Non. Ce qui a empêché les miracles de se produire, c'est l'incrédulité. Amen. Quand on dit qu'il en fait ce, qu'il en soit fait selon ta foi, on peut dire aussi qu'il en soit fait selon ton incrédulité. Ne t'attends pas à recevoir quelque chose de Dieu si tu n'as pas la foi. Si nous prions en demandant venez ceux qui veulent être pour la prière, et on va le faire. Si tu viens en te disant bon, je vais voir si ça fonctionne, ça c'est pas un pas de foi, ça c'est un pas de doute. Et la Bible dit, celui qui doute, il ne s'attend pas que Dieu lui donne quelque chose. Comment? Comme le pasteur a dit, il ne s'agit pas d'un homme. Ne dis pas, oh, Alan Rich a prié pour moi, il ne s'est rien passé, Alan Rich n'est pas puissant. Ne dis pas, oh, Alan Rich a prié pour moi, c'est lui qui est puissant. Comme le pasteur a dit, c'est entre Dieu et toi. Et moi, je suis un intermédiaire entre les deux. Je suis comme un fil électrique. Tu coupes le fil. Il n'est pas relié à l'électricité. Tu peux toucher, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas te faire secouer. Amen. Si tu avais la foi, c'est toi qui avais la foi. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du message. Tu n'as pas à attendre de venir devant. Tu n'as pas à attendre que je te touche. Tu peux être guéri là où tu es. Tu peux être délivré là où tu es. Tu peux recevoir ton miracle là où tu es. Amen. Qu'il en soit fait selon ta foi. Alléluia. Il faut que tu marches sérieusement avec Dieu. Ne viens pas demander des miracles à Dieu. Et quand tu l'as reçu, tu pars en profiter. Comme les 10 lépreux. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Et Jésus, il a dit, t'en vas, j'ai mal compté ou quoi? Est-ce qu'il n'avait pas 10? Ils sont où les autres? Ah, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Mais celui qui est revenu, celui qui était reconnaissant, il a reçu plus que les autres. Oui, les autres ont reçu une guérison. Oui, ils ont dû garder leur guérison. À moins qu'ils aient péché de nouveau. Mais celui qui est revenu, il a reçu quelque chose de plus. Il a reçu une parole de Jésus. Il a reçu une mission de Jésus. Amen. Il a reçu une bénédiction de Jésus. Amen. Il a reçu une onction de Jésus. Parce que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu vient dans l'obéissance. Amen. Ne dis pas, non dire, oh, quand j'aurai l'onction, oh, quando avrò l'unzione, j'agirai. Oh, agirò.
tu pourras attendre longtemps. Et aspettera que degli anni. C'est quand tu obéiras que Dieu te donnera les moyens, amen, d'accomplir sa parole. Il est dit que Dieu confirmait sa parole par des prodiges et des miracles. Il n'est pas dit parce qu'il y avait des prodiges et des miracles, alors ils se sont mis à agir. Amen. Quand vas-tu te lever et rentrer dans ton appel? Quand vas-tu te lever et agir en fonction de ce que Dieu t'a montré? Parce que toi, tu te dis, oui, un jour. Et un jour, tu seras mort. Et tous les jours, tu as un bon prétexte. Et tous les jours, tu as quelque chose à dire. Et Jésus te dira, qu'est-ce que tu as fait de la peine que je t'ai donnée? Et toi, tu diras, ah, mais j'ai plein de bonnes excuses. J'ai un sac rempli de bonnes excuses. Un sac pieno di tante scuse. Là, j'ai pas pu, j'avais pas le temps. Oh, lì non ho avuto il tempo di farlo. Là, j'étais fatigué. Lì ero stanco. Là, je devais m'occuper de ma femme. Lì dovevo pensare alla mia moglie. Là, je devais m'occuper de moi. Lì dovevo pensare alla mia. Là, de mes enfants. Lì a pensare ai miei figli. Là, de mon père. Lì di mio padre. Tout ça, c'est des bonnes excuses. Quelli sono tutti le buone scuse. Mais Jésus, il te dira, non, mais ce sac-là, enlève-le de là. Qu'as-tu fait? Ah, bon, rien. Oh, non, non, fatto nulla. Mais j'ai des bonnes excuses. Sarà una buona scusa. Mais tu ne seras pas justifié parce que tu as des bonnes excuses. Ma non sarai giustificato perché hai delle buone scuse. Mais si tu as obéi. Ma si hai obbedito. Amen. Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Pas uniquement pour que toi tu puisses profiter. Non soltanto per profitare de ton salut. De la tua salvezza. De ta délivrance. De la tua liberazione. Et de ta guérison. Et de la tua guarigione. Mais pour que tu puisses la transmettre à quelqu'un d'autre. Afin que possa trasmettere agli altri. Jésus cherche des disciples. Jésus cherche i discepoli. Amen. Es-tu un simple croyant ou es-tu un disciple? Sois soltanto un credente o un discepolo. Si tu veux simplement profiter des choses de Dieu, si vuoi soltanto profitare delle cose di Dio, pour toi, per te, Dieu ne va pas te donner beaucoup. Dio non ti darà tanto. Dieu ne te donnera beaucoup que quand il sera, c'est parce qu'il saura que toi tu vas le donner à d'autres. Dio ti darà tanto quando saprà che tu lo darai agli altri. Amen. Mais si tu demandes pour garder, tu te dis pourquoi Dieu me donne si peu. Mais Dieu, il ne va pas te donner beaucoup si c'est uniquement pour que tu puisses le garder. C'est comme la manne dans le désert. Ils en prenaient assez, ils étaient rassasiés. Mais s'ils essayaient d'en avoir plus, cette pourrissait, ne servait à rien. Amen. Et les choses de Dieu, les cadeaux de Dieu, les dons, c'est pareil. Amen. Si ce soir tu es venu chercher un miracle, en te disant mais ce message je m'en fous, ça te vient, c'est un peu long. Quand c'est qui va prier pour moi, pour que je reçoive mon miracle et que je parte d'ici et que je revienne plus, tu peux partir maintenant. Ce n'est pas ça. Amen. Dieu a fait des promesses. Dio ha fatto le promesse. Et Dieu respecte ses promesses. E Dio rispetta le sue promesse. Dieu accomplit ses promesses. Dio adempie le sue promesse. Il ne faut pas que tu te moques de Dieu. Non, non prendi Dio in giro.
Si tu te moques de Dieu, est-ce que tu sais que Dieu se moque de toi? C'est la Bible qui le dit. La Bible le dit. La Bible dit Dieu se moque des moqueurs. La Bible dit que Dieu a que près de Dieu au point qu'il le prête de Dieu. Si tu te moques de sa parole. Si tu prends de Dieu la sa parole. Hein? Si tu dis oh, c'est écrit dans la Bible mais moi je sais mieux que Dieu. Dieu donne des règles. Et Dieu donne les règles. Mais moi je vis selon les miennes. Io vivo secondo le mie regole. Eh ben, vis selon les tiennes. Alors, vis selon les tuyaux règles. Mais vois où tu es. Et vénu de verser. Vois où elles t'ont mené. Vénu de verser la montagne des tuyaux règles. Mais si tu marches selon les règles de Dieu. Si tu vis selon les règles de Dieu. Tu seras libre. Sarai libre. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit c'est. Dans Jean chapitre 12. Et Giovanni chapitre 12. Je ne sais pas si quelqu'un peut regarder, c'est le verset 36, je crois. Celui que le Fils libère est réellement libre. Amen. Celui que le Fils libère, ça veut dire qu'il est complètement libre. Amen. C'est quel verset? Jean 12, 38. Giovanni 12, 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Jean 12, 38. 12. Hein? 12. Je vais dire 8, 38. 12. Jean 8, 38. C'est le fils de l'homme. Ah, 8, pardon. Jean 8, 38. Ah oui, 8. Oui, oui, excusez-moi. Oui, 8, 8, excusez-moi. Jean 8, 38. Excusez-moi. 36. Jean 8, 36. Alors, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Affranchir. C'est le verbe affranchir. Le verbe libérare. Je ne sais pas si en italien ça existe le mot affranchir plutôt que libérer. Affrancare, in italiano affrancare. C'est un terme qui n'est pas anodin. Non è un termine che non è anodino. C'est un terme quand on rend libre un esclave. È un termine per liberare veramente gli schiavi. À l'époque de Jésus, il y avait des esclaves. Al tempo di Gesù c'erano gli schiavi. Amen. En Afrique, quand il y avait des esclaves. In Africa c'erano gli schiavi. Que ses maîtres soient noirs ou blancs, il pouvait rendre libre son esclave. Il affranchissait, c'est ce mot-là, légal. C'est le mot affranchir. La parole affrancar. Ça veut dire, c'était un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il ne mange pas quand il veut. Il ne travaille pas quand il veut. Il ne va pas où il veut. Il est enchaîné. Il y a quelqu'un qui lui dit, tu mangeras ça. Quand je veux, où je veux. Tu dormiras quand je te le dis. Tu iras où je te dirai d'aller. Et si nous péchons, nous sommes esclaves du péché. Et Jésus est venu te libérer du diable. Parce que lorsque tu étais sous l'influence du diable, ou bien si tu l'es maintenant encore, tu es l'esclave du péché. Tu es l'esclave du diable. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne vas pas où tu veux. Tu es limité. Tu as des chaînes. Parce que tu es esclave du péché. Mais Jésus est venu pour t'affranchir. Pour te libérer de l'esclavage du péché. Et de l'esclavage du diable. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que si Jésus t'affranchit, tu seras réellement libre. Tu pourras aller où tu veux. Tu pourras manger ce que tu veux. Tu seras libre. Amen.
Est-ce que tu veux être libre? Voy a ser libero. Amen. Il n'y a que deux, il n'y a qu'un choix seulement. Il y a deux possibilités. Due possibilità. Un choix. Una scelta. Soit tu es libre, soit tu es esclave. O sei libero o sei schiavo. Soit tu marches avec Jésus ou tu marches avec le diable. O cammini con il diavolo, cammini con Gesù. Tu es libre ou esclave. Sei libero o schiavo. Tu ne peux pas essayer d'être autre chose que ça. Non puoi fare finta di fare altre cose che questo. Tu ne peux pas être un esclave en faisant, essayant d'être libre. Non puoi essere un schiavo e facendo finta di essere libero. Peut-être c'est ce que tu essayes de faire. Hai provato a fare quello. Tu veux faire un contrat avec Dieu. Vuoi fare un patto con Dio? En disant je veux un pacte particulier pour moi. Vuoi un patto particolare per me? Qu'est-ce que je dois faire pour juste avoir des avantages de toi mais avoir aucun inconvénient? Cosa posso fare per avere poi degli avvantaggi per te, con te? Comment avoir juste les avantages du péché sans en avoir les inconvénients? Pourquoi avoir les avantages du peccato sans avoir les inconvénients? Mais c'est pas possible. Et non è possibile. Ce n'est pas possible. Non è possibile. Le jour où tu comprends ça, il giorno in cui hai capito questo, tu seras moins fatigué. E sarà proprio più affaticato. Prends ta décision. Prendi la tua decisione. Si tu veux marcher avec Dieu, vas-y à fond. Si vuoi camminare con Dio, vai fino in fondo. Si tu veux marcher avec le diable, vas-y. Si vuoi camminare con il diavolo, vai. Mais pourquoi est-ce que tu es entre les deux en train de jouer? Perché fai così, stai giocando? Il faut que tu prennes une décision. Devi prendere una decisione. Si tu crois être au milieu, si credi essere in mezzo, c'est un leurre. Allora è un errore. Tu te trompes toi-même. E ti stai ingannando te stesso. Il n'y a pas de milieu. Non c'è il mezzo. Amen. Tu comprends ce que je dis? Hai capito quello che sto dicendo? Celui qui est justifié devant Dieu. Ce n'est pas celui qui écoute la parole. Non è colui che ascolta la parola. Mais c'est celui qui la met en pratique. Mais colui che la mette in pratica. Là, tu écoutes la parole. Adesso stai ascoltando la parola. À moins qu'il y ait un sourd ici. A meno che sia un sordo qui. Ou bien peut-être tu es en train de penser à autre chose. Forse magari stai pensando all'altra cosa. Tout le monde est en train d'écouter. E tutti quanti stiamo ascoltando. Eh ben, aucun d'entre vous n'est justifié devant Dieu. Però nessuno è giustificato davanti a Dio. Parce que le fait d'écouter la parole ne te justifie pas. Perché il fatto di ascoltare la parola non ti giustifica. Acquérir de la connaissance. Acquisire la conoscenza. Ne te justifie pas. Non ti giustifica davanti a Dio. Mais de mettre en pratique. Soltanto mettere la parola in pratica. Donc tout ce que tu as entendu ce soir. E tutto ciò che hai ascoltato stasera. Si tu pars en disant, oh c'était très beau. Oh, si vai ancora dicendo, c'est un beau prêche. Predica bene. J'ai appris certaines choses. Ho imparato certe cose. Ça m'a confirmé certaines autres choses. Ho confirmato certe altre cose. Et tu repars et tu fais rien avec cette parole. Tu es venu pour rien. Tu as perdu ton temps. Hai perso il tuo tempo. Si tu n'obéis pas à Dieu, se non obbedisci a Dio, ce n'est pas. Si tu n'obéis pas à Dieu, se non obbedisci a Dio. Le temps ne change rien. Il tempo non cambia nulla. Si tu penses qu'en venant à l'église pendant un mois, étant fidèle, ou six mois ou une année, et être là tous les heures à écouter la parole, en te disant, ben maintenant ça fait longtemps, Dieu il me doit quelque chose. Mais Dieu il te doit rien. Mais Dieu non ti deve nulla. Amen. Si tu n'as pas mis en pratique, si non hai messo in pratica, ça n'a servi à rien du tout. Non ha servito a nulla. C'est plus facile d'écouter la parole que de la mettre en pratique. È più facile ascoltare la parola che la mettere in pratica. Il y a des personnes ici ce soir. Ci sono delle persone qui stasera. Plus je parle, plus ils se ferment. Et plus ancora sono chiusi. Plus ça les dérange. Et plus ancora li disturba. Parce que l'esprit de Dieu. Mets le point quelque part, le doigt, que toi tu ne veux pas lâcher. Et tu es là. Et tu te refermes. Et ça prouve
que tu es, tu n'es pas prêt à obéir à Dieu. Tu n'es pas prêt à t'humilier devant Dieu. Alors n'attends pas que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Même si Dieu veut, il ne peut pas. Parce que toi, tu empêches l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il voudrait faire. Amen. Nous sommes tous désobéissants. Nous sommes tous arrogants. Siamo tutti arroganti. Orgueilleux. E superbi. Révoltés. Siamo tutti ribelli. Rebelles envers Dieu. Siamo ribelli envers Dio. Nous aimerions tous faire notre volonté plutôt que la volonté de Dieu. La nostra volontà che fare quella di Dio. Nous aimerions tous suivre les désirs de notre chair plutôt que les désirs de l'Esprit de Dieu. Fare desideri che fare quello di Dio. C'est la nature humaine. È la natura umana. Mais justement, il y a un moment donné où tu dis, dove dici, je ne vais pas suivre les désirs de ma chair. Non voglio seguire i desideri della mia carne. Je vais suivre les désirs de l'esprit. Voglio seguire i desideri dello spirito. Et c'est là où tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. È lì che non adempierai i desideri della tua carne. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Come l'ho detto tempo fa. Ça va être Galates 5, 16. Secondo Galati 5, 17, 16. Oui. Amen. Si tu ne fais pas de pas, se non fai un passo, dans ton cœur évidemment, hein, et nel tuo cuore, je peux dire à tout le monde, levez-vous, faites un pas. Posso dire a tutti quanti, venite qua, fate un passo. Et si tu ne fais pas un pas dans ton cœur, se non fai un passo nel tuo cuore, Dieu ne fera pas de pas envers toi. Dio non farà nemmeno un passo verso di te. Tu comprends? Hai capito questo? Est-ce que c'est dans la Bible? È nella Bibbia. Il est dit, è detto, approchez-vous de Dieu Dio, et il s'approchera de vous. Et lui s'avvicinerà di voi. Il n'est pas écrit, non è scritto, attends que Dieu s'approche de toi et alors là, enfin, tu pourras t'approcher. Il n'est pas dit, attends que Dieu passe un jour devant toi pour l'attraper. Toi, tu attends peut-être Dieu. Mais c'est lui qui t'attend. Qui a plus de temps? Toi ou Dieu? Qui a plus de puissance? Qui a plus à perdre? Tu comprends? Hai capito questo? Il faut être prêt de t'approcher de Dieu dans ton cœur, donc de reconnaître que tu es un pécheur, reconnaître que tu n'es qu'une poussière et que Dieu est tout. Ça, ça veut dire s'humilier devant Dieu. Il est dit, humilie-toi devant Dieu. Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Dio fa grazia all'umile, però resiste ai superbi. Te rends-tu compte? E ti sei reso conto? Qu'à cause de la résistance que tu as dans ton cœur, de l'orgueil de ton cœur, Dieu te résiste. E Dio ti resiste. Toi, tu cherches la bénédiction. La bénédiction. Tu fais plein de choses pour recevoir de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui résiste. Et Dieu est fort. Amen. Si tu fais un bras de fer avec Dieu, qui est-ce qui va gagner? S'il y a une porte, et que Dieu est derrière la porte. Et que Dieu est derrière la porte. Et que toi tu essayes d'ouvrir la porte. Mais derrière il y a Dieu qui résiste. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à ouvrir la porte? Mais
Mais en fait, Dieu lui attend que toi tu ouvres la porte de ton cœur. Amen. Jésus a dit, je suis devant la porte. J'attends que tu ouvres la porte pour rentrer à l'intérieur. Il y a une peinture très connue d'il y a quelques siècles qui est la peinture la plus connue par rapport à ce verset de Apocalypse. Quand il est dit que Jésus, il dit, je suis devant la porte et je frappe. Et celui qui ouvrera, je rentrerai chez lui. Et je mangerai chez lui. Et au bout d'une centaine d'années, quelqu'un a remarqué un défaut dans le tableau. En fait, on voit Jésus devant une porte. Hein, et puis dessous, c'est écrit le verset. Et quelqu'un a dit, quelle erreur le peintre a fait. Il a oublié de peindre la poignée. Il n'y a pas de poignée. Comment est-ce que Jésus peut rentrer s'il n'y a pas de poignée? Mais le peintre n'a pas du tout fait d'erreur. Au contraire, il a compris beaucoup de choses. Il a compris que Jésus n'avait pas besoin de poignée pour rentrer dans la porte. Parce que lui n'ouvrira jamais la porte. Il attend que toi tu ouvres. Et on ne voit pas la poignée parce que la poignée est derrière la porte. Alléluia. Amen. Si ce soir tu laisses Jésus-Christ rentrer dans ton cœur. Donc évidemment, quand je dis Jésus, je parle de l'Esprit de Dieu. Oui. Jésus-Christ est au milieu de nous par son Esprit. Amen. Mais évidemment, Jésus est assis. Dans un lieu céleste, amen. Corporellement, à la droite du Père. C'est pas lui qui va rentrer. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et il peut être partout à la fois l'Esprit de Dieu. Si tu ouvres ton cœur, cette puissance, cette dynamisme, va rentrer dans ton cœur. Mais pour. Et pour entrare. Oui, j'ai même pas besoin de dire. Pour entrare. Tu dois ouvrir ton cœur. Et pour ouvrir ton cœur, tu dois t'humilier. Et pour ouvrir ton cœur, tu dois t'humilier. Maintenant, si maintenant dans ton cœur. Et si adesso nel tuo cuore. Tu es en train de te dire, moi jamais. Je m'humilierai devant Dieu. Jamais je descendrai de mon orgueil. Jamais j'arrêterai d'être rebelle. L'Esprit de Dieu ne pourra pas entrer. L'Esprit de Dieu ne pourra pas entrer. Mais si tu t'humilies. Alors si tu t'humilies. Si tu es humble devant Dieu, tu reconnais ta nature, tu demandes pardon, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va rentrer en toi. Tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de ma main. Amen. Et c'est l'onction. Et l'onction, hein? Qui brise les chaînes. Et que scatena le catene. Tu connais ce verset? Dans Isaïe. Conosci Isaïe, hein? C'est l'onction. Et l'onction, hein? Qui brise. Que fratuma. Les chaînes. Le catene. Amen. Qui brise le joug. Que fratuma il giogo. Ce sont encore des images de l'esclavage, les chaînes où tu ne pouvais pas aller aussi vite que tu voulais, avoir un joug avec quelqu'un que tu es obligé de suivre, c'est le diable, mais l'onction brise ce joug. Amen. Et si tu prends le joug de Jésus, ce joug est léger, ce joug est doux. Et tu vois que
La parole de Dieu ne dit pas que Dieu va briser ce joug d'esclavage afin que tu sois libre pour aller n'importe où. Tu es fait pour être sous un joug. Celui de Dieu ou celui du diable. Maintenant, si toi tu es rebelle, si toi tu es orgueilleux, tu te dis, non mais moi je veux ni le diable ni Dieu. Je veux être libre. Tu ne seras jamais libre. Ce n'est pas toi qui décides. C'est le péché premier de l'orgueil, de la rébellion. Quand Ève a dit, oh, le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, je vais être intelligent, je vais être libre, je n'ai pas besoin de Dieu, je vais me libérer du joug de Dieu. Mais en fait, elle est tombée sous le joug du diable. Il n'y a pas trois jougs, il y a deux jougs. On peut regarder dans Matthieu chapitre 11, verset 28-29. Matthieu chapitre 11, 28-29. Tu peux lire, hein? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Car mon joug est doux et mon joug est léger. Amen. Tu l'as là? Tu peux le lire? Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. 28 et puis peut-être 29. Les deux derniers versets du chapitre. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voyez, j'ai oublié, oh, c'est toujours bien de vérifier la parole de Dieu, j'ai oublié le passage, recevez mes instructions. Je ne l'ai pas dit, j'avais oublié qu'il y avait ça. C'est important de toujours vérifier la parole de Dieu. Pardon ? Je peux lire en italien ? Oui. Ok. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre. C'è pas écrit, in italiano, c'è pas dire, recevez mes instructions. Il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Amen. Apparemment, c'est dit, oui, recevez les instructions. Parce que sans instruction, sans indication, on ne peut pas marcher avec Dieu. C'est comme si nous n'avons pas de carte. Je veux aller d'un endroit de l'Italie à l'autre que je ne connais pas. J'ai besoin d'avoir des instructions pour savoir où passer. Sinon, je me perds. Amen. La parole de Dieu te dit comment tu dois te comporter pour ne pas te perdre et pour arriver là où tu veux arriver. Mais si tu ne la lis pas, si tu ne la connais pas, ou bien si tu la lis et tu la connais mais que tu ne l'aimes pas en pratique, tu te perds. Amen. Qui sera là demain? Levez la main. Qui sera ici demain? Qui sera là après-demain? Qui sera ici après-demain? Ok. Il faut prendre au sérieux. Dobbiamo prendere con serietà les directives du Saint-Esprit. Et les biens dello Spirito Santo. Les directives dello Spirito Santo. Parce que peu importe qui prêche. Et non c'entra chi predica. L'Esprit de Dieu toujours est en train de convaincre. L'Esprit de Dieu est toujours pour convaincre. Et il faut prendre au sérieux
le ministère du Saint-Esprit. Moi, je sais comment ça se passe. Vous dites, dans mon église, mon pasteur, je l'écoute toutes les semaines, j'ai l'habitude, je ne l'écoute plus. Ah, il y a un nouveau qui arrive, là, je vais écouter, c'est du frère. Mais là, tu n'as rien compris. Il ne faut pas écouter les paroles des hommes. Non ascoltare le parole degli uomini. Mais chaque fois que ton pasteur y prêche, l'Esprit de Dieu prêche dans ton cœur et te convainc de choses. Et si chaque fois tu es rebelle à ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire, tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. Car le ministère du Saint-Esprit, c'est de convaincre, de péché, de justice et de jugement. Et il est dit que si tu pèches contre le Père, tu seras pardonné. Si tu pèches contre le Fils, tu seras pardonné. Mais si tu perds contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Soit que tu pèches ou que tu parles mal. Et moi, longtemps, dans ce passage, je ne comprenais pas. Je me suis dit, est-ce que le Saint-Esprit est plus important que le Père et que Jésus? Pourquoi je peux parler mal du Père, mal de Jésus, puis pas du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est supérieur aux deux autres? Non. Non. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui administre maintenant sur la terre. Amen. Dieu est dans un lieu inatteignable. Personne n'y a été, personne l'a vu. Jésus-Christ, il est assis à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Et pour continuer le ministère de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Même Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui faisait les miracles. Amen. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc maintenant, celui qui administre, c'est l'Esprit de Dieu. Et si tu désobéis à la voix de l'Esprit, Dieu il n'a plus rien pour toi dans sa poche. C'est, si Dieu il te dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais-le, sinon il va t'arriver ça. Et toi tu écoutes, et toi tu te moques, et toi tu résistes, et toi tu dis plus tard. Et un jour tu vas mourir. Et ça sera trop tard. Ne te dis pas j'ai du temps. Comme j'ai dit, tu ne sais pas combien de temps tu as. Ne joue pas un jeu avec Dieu. Si tu joues un jeu avec moi, peut-être que je peux gagner, peut-être que je peux perdre. Mais si tu joues un jeu avec Dieu, tu vas perdre. Et tu ne vas pas perdre un peu d'argent. Tu vas perdre ton âme. J'expliquerai peut-être demain un bout de mon témoignage. J'ai fait une expérience de mort imminente. Et je suis sorti de mon corps. Et j'ai commencé à mourir. Et je n'étais pas prêt. Parce que je ne connaissais pas Jésus. J'étais sorcier. Je tuais des gens. À distance. Je n'avais pas besoin de les toucher. Et je me suis dit, je peux faire ce que je veux. Parce que quand je serai mort, tout est fini. Il n'y a pas de conséquences. Mais quand je suis mort, j'ai vu que la vie continue. J'ai vu que mon âme est éternelle.
Je me suis retourné, j'ai regardé mon corps. Celui-là. Celui-là, il aurait pu mourir. Celui-là, il va bientôt mourir. Mais mon âme ne va jamais mourir. Et j'ai vu tous les démons qui m'attendaient. Et que je n'aurais pas pu sortir de leur griffe. Et je savais que je ne pouvais changer ça qu'en revenant dans mon corps. Qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus changer sa destinée. Et il n'y a pas de purgatoire. C'est un mensonge du diable. Toutes les messes aux morts que tu veux faire ne vont pas changer la destinée d'une personne qui est morte. On ne vit qu'une fois. Et après le jugement. Et on ne peut plus rien changer. Maintenant, tu es en vie. Et tu peux encore changer. Si tu savais ce qui t'attend après ta mort, si tu n'es pas prêt. Si tu savais ce qui t'attend. Si tu désobéis à l'Esprit de Dieu. Si tu continues à résister à l'Esprit de Dieu. Tu ne laisserais pas une seconde. Tu tomberais à genoux, tu implorerais à Dieu, tu demanderais pardon à Dieu. Dieu est patient. Dieu est patiente. Dieu est plein de miséricorde. Dieu est pieno di misericordia. Dieu t'aime. Dio ti ama. Et il veut pas que tu finisses en enfer. Et non vuoi che tu vai finire in inferno. Il aimerait que tous soient sauvés. Il voudrait que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais tous ne vont pas voir la vie éternelle. Parce que Dieu respecte ton choix. Mais si tu savais à quel jeu tu joues, tu arrêterais de jouer ce jeu. Si tu crois avoir un pistolet en plastique et tu joues à la roulette russe. Si tu crois avoir une pistole et jouer avec la pistole. Alors la pistole avec la tête, si. La roulette russe, c'est comme il y a 6 barrières, mais il n'y a qu'une balle. Et au hasard, tu tires peut-être. Tu sais jouer avec la pistole et tires sur la pistole. Si tu joues à ça. Si tu joues à questo. Et tu penses qu'il n'y a pas de balle dedans. Tu ne prends pas au sérieux. Mais si maintenant j'ouvre le pistolet, je te montre, regarde, il y a une balle. Tu vas tomber par terre de peur. Tu vas trembler rétroactivement. Tu vas se dire, mais comment j'ai pu faire ça si j'avais su? Spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, c'est égal. Tu résistes à Dieu. Résiste à Dio. Tu résistes à l'Esprit de Dieu. Résiste allo spirito di Dio. Tu t'enorgueillis. Et encore, tu ne veux pas. Non, vuoi. T'humilier devant Dieu. Tu ne veux pas obéir. Non, vuoi veramente obbedire. Tu te crois fort. Et tu crois fort, hein? Tu te crois plus puissant que Dieu. Puissant que Dieu. Mais en fait, c'est parce que Dieu t'aime. Et qu'il te donne du temps. Et que Dieu te donne le temps. Mais ne méprise pas le temps que Dieu te donne. Et non trascurare il tempo che Dio ti dà. Il se pourrait que ton cœur s'endurcisse tellement que le jour où tu veux te repentir, tu ne trouveras plus le chemin de la repentance. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas désobéir à Dieu pendant 20 ans et te dire quand je vais mourir je demanderai pardon à Dieu, parce que tu devras rendre compte à Dieu pour tout ce que tu as fait, les bonnes et les mauvaises, même les paroles. C'est dans la Bible, toutes les paroles qui sortent de ta bouche, bonnes ou mauvaises. La Bible dit, la Bible dice, si tu sais faire si le bien, bene,
et tu ne le fais pas, et non le fai, tu commets un péché. Et commets un peccato. Donc le péché, ce n'est pas seulement faire le mal, et peccato non soltanto fare il male, mais c'est ne pas faire le bien que tu peux faire. Et non fare il bene che te devi fare. Ne refuse pas. Non rifiutare. Je parle moi en français. Ne refuse pas quelque chose, non rifiutare qualcosa, à quelqu'un à qui tu peux l'offrir. A qualcuno che quello gli puoi fare il bene. Amen. Je crois que c'est dans les livres des Proverbes. Et le Proverbe que le dit. Amen. Je ne suis pas ici pour te faire peur. Non, ce n'est pas pour que tu prennes peur. Ou plutôt, une bonne peur. Et on a peur, une bonne peur. Une peur constructive. Una paura che ti può aiutare. Une peur qui te fasse changer d'avis. Una paura che ti può far cambiare la vita, il punto di vista. Une peur qui te fasse transformer. Una paura che ti può far trasformare. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur. Sai che c'è gente che ha paura. Et je suis très content. Et sono contento. Parce que c'est la peur du Saint-Esprit. Et che la paura qui suis-je pour faire peur? Et qui sono io per far paura? Non. Si c'est la peur d'un homme, et se è la paura di un uomo, tu sors d'ici, tu vas oublier dans une heure. Dimenticherai con quello di un uomo. Mais si c'est la crainte, et se è il timore de Dieu, e il timore di Dio, l'Esprit de Dieu va continuer, lo spirito di Dio continuerà son ministère, son ministère, même quand tu auras oublié mon visage, oublié ma voix, et que tu auras oublié où est-ce que tu as entendu ces paroles. Parce que les paroles de Dieu sont éternelles et ne reviennent pas à Dieu sans avoir fait leur effet. Amen. Les paroles des hommes ne demeurent pas. Et non dimorano. Mais les paroles de Dieu demeurent. Dimorano. Si tu n'avais pas envie d'entendre ces paroles, il ne fallait pas venir. Non venir. Amen. Moi, je te dis ça. Ti dico questo. Je ne te connais pas. Non ti conosco. Mais j'ai compassion de toi. Però la compassione. Parce que moi j'ai vu ce qu'il y a après la mort. Perché ho visto quello che c'è dopo la morte. Et moi j'ai pas envie de me trouver devant le tribunal de Christ. Non voglio trovarmi davanti al tribunale di Cristo. Et que toi tu viennes vers moi. Perché tu vieni a quella me. Et que tu me dises, tu te rappelles de moi. Je te dis, non, je ne t'ai jamais vu. Mais oui, j'étais là le 20 avril à Parma. Pourquoi tu ne m'as pas mis en garde? Pourquoi tu m'as laissé mourir? Moi, je pourrais regarder chacun de vous entre vos yeux, entre les, dans les yeux. Et dire, je t'ai averti. Et dire que oui, tu as averti. Et l'Esprit de Dieu t'a averti. L'Esprit de Dieu t'a averti. Ton sang n'est plus sur mes mains. Et son sang n'est plus sur mes mains. Tu comprends? Hai capito? Dieu reprend ses enfants. Dieu rimprovera i suoi figli. Amen. Parce qu'il les aime. Perché li ama. Amen. C'est... Il y a une mauvaise tristesse et il y a une bonne tristesse. C'è una cattiva tristezza e una buona tristezza. Amen. Il y a une tristesse qui amène à la dépression, à la destruction. Mais la tristesse de Dieu amène au salut, amène à la repentance. Et je prie que Dieu, que l'Esprit de Dieu mette dans votre cœur maintenant un esprit de repentance. Amen. Parce que moi, je peux faire de mon mieux pour essayer d'expliquer des choses. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit faire le travail dans votre cœur. Amen. La parole de Dieu dit, si des gens vous reçoivent, ils me reçoivent. S'ils ne vous reçoivent pas, c'est qu'ils ne vous reçoivent pas. Si tu résistes à ces paroles, si résiste à queste tu parole, ne résistes pas à mes paroles, tu résistes résiste à la parole, parole de l'Esprit de Dieu. À la parole de l'Esprit de Dieu. Si ce n'est que des paroles d'hommes, tu... alors n'écoute si pas, c'est pas grave. C'est pas grave, laisse tomber. Non fa niente. C'est pas grave. Oh, non fa niente. Mais si dans ton cœur, si dans ton cuore, l'Esprit de Dieu lo spirito di Dio, te convainc ti convince, et te montre et ti
que oui, 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 c'est mes paroles. Oui, c'est ma volonté. Oui, je t'aime. Oui, je veux que tu changes. Oui, je veux que tu te repentes. Amen. Nous allons fermer les yeux. S'il vous plaît, que chacun puisse fermer les yeux, courber la tête. J'aimerais que tu te mettes devant Dieu. Ferme les yeux. De tuer devant Dieu. Si tu veux pas suivre, tu peux sortir. Et on se voit demain. Mais si tu veux te mettre devant Dieu. Ferme les yeux. Je veux te donner un temps. Que tu puisses te mettre devant Dieu maintenant. Parce que j'ai peur. Que si je te donne des indications et te dire fais-les chez toi. Tu vas trouver une bonne excuse pour ne pas le faire. Tu vas trouver quelque chose de plus important. Tu vas te faire voler les graines par le diable. Le diable dehors t'attend pour venir immédiatement te souffler aux oreilles. Mais t'inquiète pas. Tout ça c'est faux. Tu as le temps. Je vais te donner du temps. Tu es plus malin que Dieu. C'est pour ça que je veux te donner du temps maintenant ici. Si tu as quelque chose à dire devant Dieu, si tu veux t'humilier devant Dieu, si tu as un péché à confesser, parle à ton Dieu maintenant. J'ai dit c'est un jour spécial. Parce qu'il n'a jamais eu lieu. Et il n'aura plus jamais lieu. Tu as peut-être entendu ce message une fois. Peut-être 100 fois. Donc tu te dis, de toute façon, je vais encore l'entendre. Mais ça, c'est du faux raisonnement. Parce que peut-être c'est la dernière fois que tu entends ça. Dieu est témoin. Dieu est témoin. Parce que Dieu est présent maintenant. Ce qui se passe dans ton cœur maintenant, c'est enregistré dans des livres. Et maintenant, tu peux prendre une décision qui peut changer ta vie. Non seulement ta vie terrestre, toi tu penses que c'est la chose la plus importante. Mais la chose en fait la plus importante c'est ton âme. Parce que ton corps il va pas durer longtemps. Mais ton âme est éternelle. Tu n'as pas compris ce que c'est que éternel. Ça ne change pas. Et ça ne s'arrête pas. Ce qui est dit est dit. Ce qui est est. Mais ici, maintenant, ce soir, tu peux changer ta destinée. Moi, je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans ces 3 jours. Mais je sais par expérience que
il y a des choses que Dieu demande. Que si tu rates la première marche, tu vas rater la deuxième. Et ça sera trop tard. Peut-être que tu as déjà vécu ça. En voyant de grandes bénédictions. Des gens à côté de toi. Devant toi, à droite, à gauche et derrière toi. Être béni. Étant délivré, étant guéri, et toi tu te dis pourquoi pas moi? Ton destin est entre tes mains. Ce qui va se passer ce soir, demain dimanche, et dans chaque jour de ta vie jusqu'à ta mort, c'est entre tes mains. Dépend de toi. Non pas de Dieu. Non pas de l'homme. Mais de toi. La Bible dit. Dieu dit. J'ai mis devant toi la mort et la vie. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et vis. Il y a deux choses devant toi. Une vie de malédiction ou une vie de bénédiction. Et que tu sois béni ou maudit dépend de tes décisions. Tu n'as plus besoin d'être maudit. Car Jésus-Christ a été maudit à ta place. Mais tu peux rester sous la malédiction. Si tu n'acceptes pas la bénédiction. Jésus a pris tes maladies sur la croix. Tu n'as plus à être malade. Mais tu peux rester malade. Si tu ne rentres pas dans ta guérison. Tu peux vivre éternellement. Mais tu peux mourir prématurément. Parce que tu ne rentres pas dans le plan que Dieu a pour ta vie. La Bible dit que Dieu ajoute des jours à ta vie. Dieu, il ajoute aussi des bénédictions et des grâces. La définition de la grâce. C'est une faveur non méritée. È un favore immeritato. Et Dieu a plein de grâces. E Dio ha tante grazie. Que tu n'as pas à mériter. Che non devi meritare. Que tu n'as pas à travailler. Che non hai veramente a lavorare. Que tu n'as pas à suer pour avoir. Che non hai veramente a soffrire per averli. Mais Dieu t'attend. E Dio ti aspetta. Avec un sac plein de grâce. Con un sac pieno di grazia. Un sac plein de faveurs non méritées. Un sac pieno di favore immeritato. Et c'est dommage. È proprio un peccato. Che peccato, oui. È proprio un peccato. De voir des sacs de grâce. Di vedere veramente i tubi di grazia. Perdu. E che sono persi. Je vais arrêter de parler un moment. Oh, que mi fermerò di parlare un attimo. Je t'en supplie. Ti prego. Fais ce que tu as à faire. E fai quello che devi fare. Dis ce que tu as à dire. Di quello che devi dire. Prends les décisions que tu as à prendre. Prendi le decisioni che devi prendere. Ce que tu sais que tu dois arrêter de faire. Ciò che sai che devi smettere di fare. Arrête de le faire. Smetti di fare. Ne dis pas simplement maintenant j'ai bien compris que je devrais arrêter.
Mais dites au capitaine que vous voulez faire quoi? Mais arrête de le faire. Et smetti di farlo. Tu vis avec quelqu'un, tu n'es pas marié, va le voir ce soir. Vivi qualcuno che non è sposato, vai a dirlo. Et dis-lui je ne vais pas. Dire che non voglio. Pécher. Non voglio peccare. Le jeu n'en veut pas la chandelle. Et il gioco non vuole la candela. Exprime-toi devant ton Dieu. Et parle devant ton Dieu. Avance-toi. Viens devant. Lève-toi. Alzati. Et viens devant. Et viens devant. Et nous allons prier pour toi. Prierons pour toi. Les autres, s'il vous plaît, vous restez. Rimanetevi. Les yeux fermés. Gli occhi chiusi. C'est comme une prière individuelle. È come una preghiera individuale. Chacun est devant son Dieu. Ognuno è davanti al suo Dio. Ce n'est pas parce que tu t'avances que tu lui seras plus béni de Dieu. Car Dieu voit et regarde ton cœur. Là où tu es, Dieu te voit. On va chanter une chanson genre pour rentrer dans la présence de Dieu ou louer Dieu, toi. Je trouve que c'est très simple que tout le monde puisse chanter, peut-être Alléluia comme tu faisais avant. Ouvre ta bouche devant Dieu. Ferme les yeux. Ouvre la bouche devant Dieu. Ne reste pas bouche fermée. Il y a des bénédictions à l'intérieur de toi qui ne peuvent sortir que par la bouche. Et tu bloques les bénédictions
parce que tu n'ouvres pas ta bouche. On chante ce chant. Dieu ouvre le cœur, Dieu ouvre le chemin. De tout ton cœur. C'est ta prière. Fais vibrer le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Tous les jours de l'ennemi. Permettez tout le jour de l'ennemi. Alléluia.